Vous regardez Youpa et voici Théo Théo, pas obligé de nous répondre. Salut toi, sais-tu où je suis? Je suis chez un fournisseur d'équipements de chasse, parce que c'est le temps de la chasse. Salut Albert! Mon Dieu, mais je ne me trompe le pas. Hein? Je suis vraiment devant le vrai de vrai fléau de Youpa. C'est Théo! Théo, c'est ça. Alors toi, là, tu vends des équipements de chasse. Oui, le temps de la chasse approche. La chasse approche? Ben oui. Je connaissais la chasse à l'orignal, mais je savais pas qu'on pouvait courir après ses proches avec un arc. La chasse approche dans le sens que c'est bientôt. Ah! Ben, okay. Petite mitaine de four achetée sa rue Laurier okay. De tabarnak. Alors dis-moi, de quoi ça a besoin, un chasseur? Eh bien, où ce qui est, mon Déo? Tu sais, mon Théo, l'orignal n'est pas facile à chasser. Non? Dans un milieu naturel québécois, on a une chance sur 100 de voir un orignal. Oh, ben! Mais à l'inverse, on a 25 chances sur une de voir Marcel Bouchard. Et vous vendez quoi, là, hein, à ceux qui chassent l'orignal, là, hein? Ben, des vêtements en écorce d'arbre, puis des bouts de branches qui peuvent se mettre d'en face, des flacons de pisse qui se mettent dessus, puis après ça, ils vont dans le bois. Avec ça, font des drôles de sons que le bouche. Mais c'est bien bizarre! Tu sais, mon Théo, un chasseur, c'est un peu comme André Boisclair. Ça réapparaît à peu près une fois par année pour avoir l'air fou. Là aussi, là, il y a la chasse au chevreuil. Le cerf de Virginie, Théo. Il n'y a pas de chevreuil au Québec. Ah, oh, ben là, attends, je vais vérifier sur Internet. On va pas sur Wikipédia. Chevreuil, deux points, croisement entre une chèvre et un écureuil. Je l'avais dit. Les chasseurs, là? Oui. Est-ce qu'ils ont encore des chiens de chasse? Oui, par exemple, pour la chasse au canard. Oh. Sauf que le chien peut être attiré par une carcasse d'animal mort où il y a des os, et il peut être tenté par un os qu'on appelle, et là je l'ai dit même si ça me tente pas, un os tentatoire. Bon, c'est vendredi. Ben, c'est ça. Un auteur de capsule peut être fatigué. Mais là, si vous fournissez les chasseurs, vous devez vendre des armes. Eh oui, et des munitions. Oh. Mais attention, Théo. Oui. Munitions ne signifie pas le sillon mammaire de ta sœur. Hey, merci, Albert.